Le premier élément de mon travail, c'est un fond noir. Il y a toujours un fond noir sur toutes les toiles depuis 88. Et ce fond noir est ensuite recouvert par la couleur monochrome, mais de manière incomplète. Ça laisse évidemment des vides, et ces vides, peu à peu, vont prendre forme, et une forme qui, à chaque fois, va devoir être sensiblement différente pour chaque toile, puisque je veux que chaque toile invente son sujet peu à peu. Je me donne une contrainte formelle au départ, mais je ne me donne pas de sujet au-delà de ça. Donc c'est chaque toile qui, peu à peu, va trouver sa forme et son sujet. Depuis 88, il y a eu pas mal de grandes toiles. En même temps, ces grandes toiles ont vu des formes, des éléments devenir récurrents, revenir, se répéter. Parfois se préciser aussi, c'est-à-dire comme une apparition progressive. Et peu à peu, ces éléments ont pu changer de support et parfois arriver sur des papiers, être réutilisés, sur des petites toiles, sur des grands papiers, enfin, sur différents supports qui m'ont permis de développer différentes séries parallèles à ces locomotives que sont les grandes peintures. À côté de ces grandes peintures dont j'ai dit qu'elles étaient les locomotives du travail, il fallait aussi des supports plus légers, plus adaptés à un travail au quotidien. Et j'ai entamé cette série de travaux sur format raisin 65-50 qui a couru sur 3 ans à peu près et qui m'a permis de poser un certain nombre de repères, de radicaliser un certain nombre d'options prises dans les grandes toiles ou d'accueillir quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler hâtivement l'écume des jours et de laisser tout ça se déployer tranquillement. Alors voilà les atuas domestiques qui sont une des séries issues des grandes toiles et peu à peu raffinées dans le travail des grandes toiles jusqu'à pouvoir se poser sur des petites. En fait, j'ai travaillé autour du point à un moment sur une petite toile et puis au moment où j'en ai mis deux, ça a complètement basculé et c'est devenu cette espèce de peinture qui nous regarde. Ça m'intéressait énormément. Ça devenait forcément une image de conscience, une image un peu spirituelle. Le terme d'atua domestique, je l'ai repris dans un livre de Victor Segalen où il désigne des petites divinités familières océaniennes, mais avec un contenu très, très simple, très quotidien. Ça m'intéressait bien peut-être de remettre de l'âme dans les peintures. Et voilà, donc ils ont pu se développer, ils pourront se développer encore. Je crois que c'est une série complètement illimitée. Un petit peu comme des icônes, peut-être. La formule ne change plus beaucoup. Bon, alors HQM, c'est comme dans tout le travail, c'est-à-dire que d'abord il vient des grandes toiles, c'est là qu'il a émergé et puis qu'il s'est précisé peu à peu, parce que si on regarde en fait sur 2-3 ans, il y avait déjà les prémices, mais c'est toujours plus facile a posteriori. C'est devenu un signe suffisamment au point pour être reproductible souvent et pouvoir être employé dans différentes situations. D'une part, il se prête à un travail formel, c'est-à-dire je peux le reprendre et faire des variations formelles et le répéter sur un certain nombre de peintures, un petit peu comme les atuas. Et puis d'autre part, je peux le mettre en situation de confrontation à d'autres types d'iconographie, comme dans la série des HQM sur papier, qui évidemment accueille là à nouveau cette espèce de bavardage du monde, ou cette espèce de profusion d'images, de propositions, qui sont peut-être au fond une forme de manifestation du paysage qui nous entoure, puisque je crois que le paysage
notre paysage est autant maintenant constitué d'images industrielles que de véritables images contemplées en direct. Donc HQM se promène à la fois dans le domaine formel, essentiel, également dans le domaine complètement anecdotique. Il passe très facilement de l'un à l'autre. C'est vraiment une sorte de, peut-être, de promeneur. Il n'a qu'un œil, comme une caméra d'ailleurs, et deux jambes pour promener son regard sur le monde. Et je crois que HQM, c'est pas fini. Alors au fond, je crois qu'il y a un des moteurs de mon travail, c'est cette espèce de balance entre l'anecdote et un travail essentiel. Et finalement, il y a toujours eu des séries qui, au moment où se développait un travail voulu comme essentiel dans des grandes toiles, des séries qui permettaient de développer l'inessentiel, l'anecdotique et toutes ces choses. Alors les peintures sur papier ont joué ce rôle-là. Plus tard, les collages ont joué ce rôle-là. Ça a été ensuite repris justement par le côté feuilleton d'HQM avec des images. Et les collages, c'était vraiment aussi le bruissement du monde, la diversité, la collection, puisque ça brassait des images que j'avais faites, qui étaient des morceaux de mes propres dessins, parfois des dessins récupérés, c'est-à-dire des dessins faits par d'autres dont je prenais un petit morceau, et bien entendu des images imprimées, toutes faites, découpées dans des revues ou toutes sortes d'imprimés. J'avais des grandes collections de ces images et finalement j'avais envie de les faire tomber un peu comme des confettis sur des espaces blancs. Et surtout les mélanger. Enfin, il y a encore un aspect finalement qui était important, c'est l'image toute faite fait aussi partie de notre paysage complètement, paysage quotidien, j'entends bien, hein, la manière dont on contemple le monde tous les jours, non pas dans des circonstances ou sous un point de vue exceptionnel, mais tous les jours. Et donc, bon, c'est un morceau de réalité. J'ai joué à me dire que c'était comme un petit ready-made dérisoire, parce que est-ce qu'il y a vraiment une différence réel, puisque une petite image est un produit industriel, une voiture aussi. Est-ce que finalement c'est pas la même chose? Est-ce qu'on peut pas employer une petite image comme quelque chose de prélevé, tout fait? La toute dernière étape en fait de ce travail, c'est de prendre ces peintures qui depuis plusieurs années avaient été faites pour tenir, pour avoir une autonomie très grande et une certaine force, mais isolément, individuellement, de les prendre et de les coller ensemble en par deux, par trois, ce qui ouvre un nouveau chapitre, je pense.